aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera mon bilan lecture du mois de mai. Il arrive aussi un peu tard. Ce mois de mai j'ai lu 7 livres dont un roman graphique dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo. J'ai fait aussi une relecture et 3 lectures sont en rapport avec les imaginales. Donc je vais vous présenter ça tout de suite. Le premier livre que j'ai lu c'est Les Enchantements d'Ambremer de Pierre Pével qui est le tome 1 de la série Le Paris des Merveilles qui je crois est une trilogie mais je n'en suis pas très sûre. Je l'ai lu dans le cadre des imaginales puisque l'auteur allait être présent et du coup je voulais lire un de ses livres parce que en plus Le Paris des Merveilles je le voyais depuis plusieurs années et il me faisait très envie à chaque fois que je le voyais. Donc je me suis procuré le tome 1 et je l'ai lu et j'étais très déçue. Commençons par le résumé. Alors on est au 20e siècle dans un Paris plus ou moins alternatif qui s'est fait contaminer par l'autre monde. Donc en gros ça veut dire que c'est un Paris avec des gnomes, des fées, plein de créatures fantastiques comme ça, les licornes sont réelles, tout ce qu'on imagine est réel, il y a beaucoup de alchimie etc, il y a des cercles de mages, en tout cas ça vend du rêve. Du coup moi quand j'ai vu ça forcément j'avais hyper envie de le lire parce que c'est le genre de truc que j'adore. Et donc dans cet univers on va suivre un personnage principal qui est donc Louis Griff, qui est un mage et qui se retrouve mêlé à une série de meurtres et qui va un peu enquêter pour en savoir plus en compagnie de son ex-femme avec qui il est toujours marié mais c'est un peu bizarre. Et elle, donc son ex-femme, c'est une fée. Alors j'ai aimé énormément, évidemment, donc du coup cette ambiance magique, puisque c'est pour ça que je suis venue, c'est ça qui m'a absolument plu. J'ai beaucoup aimé aussi comment c'était écrit, comment c'était narré, j'ai trouvé ça d'une très grande originalité. Il y avait, ça mêlait un peu des anecdotes historiques avec du fantastique, donc ça donnait une sorte d'historicité au roman. Et puis des fois il y a des adresses au lecteur qui sont assez sympas. J'ai beaucoup aimé le fait que l'histoire et le fantastique se confondent et que l'histoire reste assez fidèle à ce qu'elle a été en y mêlant des éléments du fantastique. Par exemple des personnages réels vont être dans cet univers des mages ou vont avoir été des grands alchimistes etc. Donc l'histoire qui a été un peu réinventée, ça j'ai beaucoup aimé. Alors du coup pourquoi j'ai été déçue et pourquoi je n'ai pas aimé ce livre? L'histoire ne m'a vraiment pas du tout plu, l'histoire des meurtres etc, j'ai absolument pas accroché. Le fait que ce soit une enquête, il y a aussi un personnage policier qui fait partie de l'histoire, j'ai vraiment pas du tout aimé. Et en fait c'est très rare que j'aime bien les livres avec les enquêtes, ça se compte vraiment sur les doigts d'une main. Par exemple les seuls livres que j'aime bien avec des enquêtes c'est Jacobi par exemple ou Stalking Jack the Ripper. En fait c'est dans un cadre historique avec des personnages qui ne sont pas des policiers et donc là c'était pas vraiment dans un cadre historique, c'était dans un cadre fantastique, donc ça aurait pu passer normalement, j'aurais pu aimer puisque Jacobi c'est un peu ça, sauf qu'au final j'ai vraiment pas du tout aimé, ça m'a vraiment fatiguée en fait. Et puis je sais pas pourquoi, c'était juste pas pour moi. En plus du coup le fait que j'ai pas accroché à l'histoire, j'avais pas envie de trop me mettre dedans et donc le fait qu'il y ait un grand nombre de personnages ça m'a très vite saoulée aussi et j'avais pas du tout envie de mettre l'énergie pour essayer de savoir qui était qui et de me concentrer pour savoir machin. Alors que normalement j'adore quand il y a beaucoup de personnages, là ça m'a juste fatiguée. Et du coup ben, c'est dommage parce que c'est vraiment un très bon livre, l'enquête est hyper complexe, l'histoire est complexe, tout est complexe et bien fait et bien raconté, donc je ne peux pas ne pas vous le conseiller puisque c'est vraiment un très bon livre. Sauf que ça ne m'a pas du tout plu, je n'ai pas du tout accroché, je l'ai même pas pris aux imaginales pour le faire signer parce que je voyais pas l'intérêt tellement je l'ai pas aimé et qu'à la fin, je sais même pas pourquoi je l'ai fini en fait, puisque la fin de l'enquête, savoir qui avait fait tous ces meurtres, ça ne m'intéressait pas du tout et c'est tombé à plat totalement pour moi. Donc voilà pour ce livre. Ensuite le second livre que j'ai lu c'est The Gamer's Guide to Getting the Girl de Christine Scarrow. Je l'ai reçu grâce à Ned Gallet et je l'avais demandé parce que j'avais beaucoup aimé son résumé, il me donnait super envie et j'ai trop bien fait de le demander. C'est un petit livre assez court, il fait à peu près 200 pages, qui suit un garçon qui s'appelle Zach et en gros le plot de base c'est qu'il est avec son meilleur ami dans un centre commercial, il est dans un magasin de jeux vidéo, il va rencontrer une fille et il se dit oh mon dieu cette fille là il faut absolument que je lui parle, c'est la fille de ma vie, et sauf que elle part et là il y a une grosse tempête. Ça se passe au Canada et genre il y a une grosse tempête plus grosse que ce qu'ils ont jamais connu et donc le centre commercial se retrouve enfermé, ils doivent tous rester pour des raisons de sécurité et donc ils se retrouvent enfermés dans ce centre commercial et il va essayer d'un peu se rapprocher de cette fille qu'il a rencontrée quelques minutes plus tôt. Donc c'est ça, c'est ça l'histoire, c'est sur ça que ça se passe. Et j'ai tellement aimé ce livre, c'était tellement réchauffant, ça m'a réchauffé le cœur. Ce que j'ai absolument aimé, c'est que Zach, le personnage principal, il est si gentil avec tout le monde et il ne se rend pas compte, il fait juste ça genre par pure gentillesse, il fait plein de petites actions comme ça qui vont aider les uns et les autres. Et il se rend même pas compte de ce qu'il fait, juste il est juste naïvement gentil et c'est trop mignon.
A Gamer's Guide to Getting the Girl, c'est pas vraiment une romance comme le titre pourrait le laisser entendre, et je crois que ça a déçu beaucoup de personnes, et que c'est pour ça que beaucoup de personnes ont mis une note en dessous de 4, qui ont mis des 3 ou à peu près la moyenne, parce qu'ils s'attendaient vraiment à une romance, mais c'est pas purement une romance, c'est vraiment une histoire d'un garçon de 15 ans qui essaye un peu de savoir qui il est, enfin comme un peu tous les livres avec les personnages de cet âge-là, mais il essaye un peu de savoir qui il est, il sait pas vraiment qui il est, et juste, il essaye d'évoluer pendant cette période de temps où les gens sont un peu en danger puisque c'est la tempête, etc. Et du coup, il se découvre un peu pendant ce moment-là. Et c'est juste, ça fait chaud au cœur de voir comment il est trop gentil. C'est une histoire du coup qui parle vraiment de la gentillesse et des actions qu'on peut faire pour aider les gens, genre totalement gratuitement. Et parfois, ça devient vraiment intense parce qu'il y a aussi des sujets assez lourds qui sont abordés. Il y a aussi une histoire d'amitié puisqu'on est avec Zach et son meilleur ami, et donc ça va se concentrer aussi sur leur amitié. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'était l'atmosphère un peu de gaming puisque Zach et son meilleur ami, ils sont à fond dans les jeux vidéo. Bah d'ailleurs, la fille aussi. Attends, c'est quoi le nom de la fille? Je suis désolée, je me rappelle plus du nom de la fille. Je crois que c'est Samara, mais je suis vraiment pas sûre. Donc ils sont vraiment ultra gamers, et du coup il y a plein de références à des jeux vidéo et il y a plein de métaphores avec des jeux vidéo et des éléments de jeux vidéo. Je trouvais ça trop trop cool. Il y a plein de références un peu geek. Et le plot a l'air un peu léger comme ça, mais l'histoire devient presque dramatique parfois. Et cette alternance entre léger, dramatique, c'est hyper bien fait, et ça devient pas genre bizarre, c'est hyper bien balancé. Et ça reste très positif et optimiste, et ça fait du bien des livres comme ça. Du coup, je suis très très contente d'avoir pu découvrir ce livre qui était juste trop trop cool, et j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture, vraiment. Vraiment, je vous conseille totalement, vraiment, si vous avez envie de découvrir cette petite histoire trop mignonne, s'il vous plaît, faites-le, parce que c'est juste le genre de livre que j'adore, qui mettre en avant les actes de gentillesse comme ça, et qui sont un peu optimistes. Vraiment, je vous le conseille totalement. C'était marqué qu'il sortait le 16 juillet, mais apparemment il sortirait le 1er août à suivre, mais voilà, je suis vraiment trop contente de l'avoir lu, et passons à la suite, parce que là je parle vraiment beaucoup trop des livres. Ensuite j'ai lu We've Always Lived in the Castle de Shirley Jackson. Shirley Jackson, c'est l'autrice de The Haunting of Hill House, qui a été adapté par Netflix. Et c'est pour ça que je me suis un peu intéressée à ces livres, et j'ai vu que celui-ci était adapté en film avec Sebastian Stan et Tessa Farmiga, donc des acteurs que j'adore vraiment beaucoup. Donc je me suis dit que j'allais le découvrir, je l'ai trouvé pas très très cher, et mon dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait, c'était si bien, vraiment, je pense que c'est mon livre préféré de l'année pour l'instant, jusqu'à maintenant. En tout cas, un de mes livres préférés de l'année, genre la claque que je me suis prise, la grosse claque que je me suis prise, genre waouh. Bref, je pense que de toute façon c'est un de mes nouveaux livres préférés de tous les temps, genre c'était tellement bien. Donc, comment parler de l'histoire? En fait, j'ai pas du tout envie de vous spoiler parce qu'il faut vraiment rentrer dedans. Quand on rentre dedans sans savoir ce que c'est vraiment genre trop trop bien. Et du coup je vais pas vous en parler trop au cas où vous voudriez le découvrir. En gros, on va suivre la famille Blackwood, ils ne sont clairement plus que trois. Tous les autres sont morts apparemment. C'est ce qui est dit dès le premier chapitre. La fille se présente et elle dit qu'elle fait partie de la famille Blackwood et que tout le monde est mort sauf elle, sa sœur et son oncle qui est pas vraiment en bon état de son. Et donc ils vivent dans une grande maison, la maison Blackwood, qui est à près d'un village, et le premier chapitre c'est elle, la fille qui sort dans le village, et on se rend compte que bah en fait tout le monde la déteste, tout le monde déteste la famille Blackwood, on sait pas trop pourquoi, on sait qu'il s'est passé un truc, on sait pas trop quoi, et donc les trois personnes de la famille Blackwood restent entre eux, un peu reclus dans leur maison, et on va en apprendre de plus en plus au long de l'histoire. Il va y avoir aussi un petit élément perturbateur qui va arriver. C'est si bien fait, c'est tellement bien, la tension est complète tout au long de l'histoire, plus on apprend de choses, plus on a un sentiment de bizarre. Déjà dès le premier chapitre on sent qu'il y a quelque chose de bizarre, il y a toujours ce sentiment d'étrange, il y a quelque chose dont on n'arrive pas à mettre le doigt dessus qui nous fait nous mettre mal à l'aise. On est mal à l'aise tout au long de l'histoire de toute façon, parce que la narratrice n'est pas une narratrice de confiance, et on s'en rend compte dès le premier chapitre, et c'est juste un chef-d'œuvre de l'écriture. C'est tellement bien, c'est tellement bien fait. Ça te retourne le cerveau, mais ça te pénètre là, mais tu te comprends pas compte de ce que le livre est en train de te faire. Et genre à la fin du livre, quand je l'ai refermé, j'ai eu des frissons pendant genre 10 minutes tellement je me sentais mal à l'aise. En fait, c'est pas du tout paranormal ou quoi, mais on sent qu'il y a beaucoup, en fait, il y a vraiment beaucoup de d'héritage, d'inspiration, des romans gothiques. Et du coup, ce fait que ce soit un peu une ambiance gothique, sans qu'il y ait aucun élément paranormal, ça crée encore plus de tension, parce que du coup on sent qu'il y a vraiment quelque chose de bizarre. En plus, il y a un jeu de contraste tout le temps entre l'intérieur et l'extérieur,
le fait que nous on sait rien et que la narratrice sait tout mais qu'on sait pas trop ce qu'elle nous dit et ce qu'elle essaie de nous dire. La dynamique familiale est hyper bizarre et on a trop du mal à la comprendre, et quand on la comprend, ça fait hyper peur. Et en fait, il y a des dialogues qui sont à la fois absurdes mais en même temps juste dérangeants par leur absurdité justement, et en fait ça nous met juste mal à l'aise en tant que lecteur, et on essaye de comprendre comment ça fonctionne et ça nous met juste mal à l'aise, mais vraiment le mot c'est mal à l'aise, et c'est tellement bien fait, et juste en y repensant j'ai des frissons tellement oh ça me met mal à l'aise, et c'est tellement bien fait et ça fait pas vraiment peur mais en même temps c'est hyper dérangeant. Alors je me doute que ce que je dis en fait ça doit faire aucun sens pour vous vu que vous avez pas lu le livre et vous savez pas de quoi je parle, mais si vous avez l'occasion de le lire, vraiment faites-le, il est traduit en français, il s'appelle Nous avons toujours vécu au château, ou Nous avons toujours habité le château, je crois qu'il y a deux traductions disponibles. J'ai lu ensuite, ou plutôt relu, Harry Potter et La Chambre des Secrets, c'était donc une relecture, je l'ai lu en anglais cette fois-ci, je crois que je l'avais jamais lu en anglais, enfin si en fait je l'avais lu l'année dernière en anglais, donc je lis n'importe quoi. C'était évidemment très bien, je peux vous parler de ma lecture d'Harry Potter genre encore une fois. Mais en fait, quand j'ai lu pour la première fois Harry Potter 7, je sais plus c'était quand exactement, je crois que c'était au mois de décembre, je n'aimais pas le personnage de Harry. Depuis que j'avais lu le tome 5, en fait, j'avais une sorte de haine contre lui, je le trouvais insupportable. Et genre, quand j'ai lu Harry Potter 7, j'ai totalement changé de vision. Je suis passée à ne pas l'aimer, à l'adorer totalement. Et donc, bah, relire Harry Potter 2, ça m'a permis de redécouvrir un peu le personnage d'Harry. Ça m'a aussi permis... je me suis aussi plus concentrée sur la relation entre Harry et Ron qui est trop mignonne, et genre leur amitié je l'aime trop, et genre Ron c'est le meilleur ami possible au monde, il est si mignon, enfin bref. Ensuite j'ai lu The Art of Starving de Sam G. Miller dans le cadre, enfin plutôt pour les Imaginales, je voulais le faire signer par l'auteur aux Imaginales, et je l'ai beaucoup aimé aussi. En fait j'ai vraiment eu que des livres que j'ai aimé ce mois-ci à part Les Enchantements d'Envoi. C'est un livre où on suit un jeune homme qui s'appelle Matt et qui a un trouble du comportement alimentaire, et en gros ce livre c'est son guide pour ne pas manger, ou plutôt l'art de la faim, l'art d'avoir faim et de s'affamer. Et en gros il pense que le fait d'avoir faim ça lui donne des super pouvoirs, ou un super pouvoir en gros, où il a des capacités assez incroyables quand il s'affame. Et bah, c'est aussi un autre exemple d'un narrateur à qui on ne peut pas vraiment faire confiance, parce que on ne peut pas savoir si tout est dans sa tête, tout est une sorte de maladie mentale, ou si c'est vraiment des choses qui arrivent vraiment. Et donc ça c'est déjà un truc hyper intéressant. Ensuite c'est un peu dérangeant parce que on sait, on le voit clairement s'enfoncer dans un trouble du comportement alimentaire, un trouble restrictif de l'alimentation, mais il ne s'en rend pas vraiment compte, et en plus le fait qu'il pense avoir des super pouvoirs par le fait de s'affamer, ça fait que pour lui il a pas un trouble du comportement alimentaire, pour lui il n'est pas anorexique, pour lui il arrête de manger parce qu'il veut avoir ses pouvoirs, parce qu'il veut avoir ses capacités que la faim lui donne, et donc il est toujours en train de se dire « Moi, je n'ai pas de trouble du comportement alimentaire, je suis pas comme ces gens-là », et c'est trop intéressant en fait comme idée, parce que, genre, c'est évident qu'il en a un, mais en même temps, il a cette excuse de se dire « Non, c'est bon, j'ai des pouvoirs, c'est pour ça que je ne mange pas, c'est pas parce que j'ai un trouble du comportement alimentaire », et il y a aussi tout cet aspect logique, illogique, des troubles des comportements alimentaires qui est exploré, c'est-à-dire que il se sent toujours supérieur aux autres parce qu'il a ses pouvoirs, parce que lui il arrive à ne pas manger, mais en même temps il ne mange pas parce qu'il se sent inférieur aux autres. Donc c'est vraiment, en fait c'est tellement accurate, c'est tellement ça prend tellement vraiment tous les sentiments qu'on ressent et tous les trucs pas du tout logiques qui se passent quand on a un trouble du comportement alimentaire, et c'est tellement bien représenté. C'est un des meilleurs livres sur l'anorexie et les TCA que j'ai jamais lu. Il est vraiment vraiment très très bien. L'auteur a lui aussi souffert d'anorexie, donc il sait de quoi il parle et ça se voit. Ça parle aussi l'homosexualité et l'homophobie dans les petites villes aux États-Unis, enfin petites villes entre guillemets, dans les villes en gros des États du Sud. Le personnage principal est gay et il souffre assez d'homophobie, et du coup ça explore un peu ce sujet de l'homophobie et des homosexuels qui ne peuvent pas en fait faire leur coming out parce que bah, ils sont totalement oppressés, et le personnage principal a fait son coming out mais il se fait totalement insulter très souvent. Enfin bref, c'est un livre qui est très très original, qui est vraiment écrit d'une façon très spéciale, et le fait que du coup on a un narrateur auquel on peut pas faire confiance, ça le rend très spécial. Et ça nous fait vraiment réfléchir, ça nous fait réfléchir sur beaucoup de choses. Par contre c'est vraiment
hyper hyper spécial, et donc je pense que ça peut vraiment ne pas plaire à certaines personnes parce que c'est vraiment vraiment spécial, hein. Toute cette histoire de super pouvoir, c'est vraiment très très spécial. La façon dont c'est raconté, c'est aussi très très spécial. Le personnage principal, je ne l'ai pas aimé, et il n'est pas aimable, et il n'est pas fait pour être aimable, je pense. En tout cas, moi je ne l'ai pas aimé, mais ça ne m'a pas du tout empêché d'aimer le livre. Au contraire, enfin, c'est vraiment très spécial. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, c'est Water Witch de Alex Bell, que j'ai aussi acheté aux Imaginales parce que l'auteur m'a juste donné trop envie de lire ses livres. Et que bah, ça parle de tout ce que j'aime, genre des histoires de fantômes, fantastiques, sorcières, etc. Donc je l'ai acheté et je l'ai lu directement. Donc dans ce livre on suit un personnage principal qui s'appelle Emma, qui a perdu l'usage de ses jambes dans un accident à l'auberge de sa grand-mère. Auberge qui est en Cornouailles. Et donc l'histoire se passe 7 années plus tard je crois. Le personnage principal a 17 ans, elle va retourner voir sa grand-mère qui est gravement malade et qui est clairement mourante, et elle va apprendre que sa grand-mère du coup essaye de vendre l'auberge, et sa grand-mère lui dit aussi que l'auberge est hantée, donc il ne faut surtout pas y aller. Bien sûr, elle va retourner dans l'auberge, hein, c'est inévitable, et il va se passer pas mal de trucs parce qu'en fait l'auberge a été construite avec le bois d'un bateau qui a une histoire très bizarre, c'est-à-dire que il a été retrouvé vide de son équipage, et donc c'est un bateau qui est censé avoir été maudit par une sorcière, et donc l'auberge a été construite avec le bois de ce bateau maudit, et donc il se pourrait qu'il soit toujours aussi maudit et que du coup l'auberge soit totalement hantée. Alors autant vous dire que si vous aimez pas les fantômes, ne lisez pas ce livre parce que voilà, parce que c'est totalement une histoire de lieu hanté. Mais moi j'ai adoré lire ce livre, c'était une lecture qui se faisait hyper rapidement, hyper facilement et qui était hyper cool, qui demandait tonnes de réflexion ou quoi, mais c'était genre hyper hyper cool. Le fait que la personnage principale soit en fauteuil roulant, j'ai trouvé ça super cool aussi parce que genre un film d'horreur, un livre d'horreur avec les personnages en fauteuil roulant, c'est assez rare, donc c'est assez cool. Le personnage principal va aussi retrouver son meilleur ami d'enfance et la sœur de son meilleur ami d'enfance, et donc ce trio de personnages, c'est eux qui vont un peu expérimenter tous ces phénomènes paranormaux dans l'auberge. Et ça ne va pas être de tout repos, oh que non. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. C'est un livre très très narratif, avec beaucoup de choses qui se passent, et moins de dialogue du coup, ce qui fait qu'on a moins, on se concentre moins sur les personnages, mais c'est un peu normal, c'est une histoire d'horreur, alors on se concentre plus sur les événements qui se passent, sur l'histoire des lieux hantés, sur l'histoire des personnes qui sont supposées hanter les lieux. Donc c'est assez normal, mais du coup, ben, vous attendez pas à avoir genre des personnages ultra développés. Les personnages ont un peu des backgrounds assez sombres aussi, surtout le meilleur ami du personnage principal et sa sœur. Ça parle aussi beaucoup de sorcellerie, que j'ai absolument aimé, de la sorcellerie très moderne, autant que de l'ancienne, de la sorcellerie très ancienne. Donc j'ai trouvé que c'était super cool aussi, cette confrontation entre guillemets entre la sorcellerie moderne et la sorcellerie ancienne. Et bah, en fait il y avait pas grand chose à le dire sur ce livre, si ce n'est que c'est un très bon livre d'horreur, que il m'a pas terrifié, mais il m'a fait frissonner. Je veux dire, je faisais pas la maline quand je le lisais le soir, et je lisais pas totalement directement avant de dormir parce que sinon je sais très bien que j'aurais eu peur. Il y a eu un élément de l'histoire que j'ai trouvé un peu too much, mais c'est comme ça, c'est genre dans mes goûts, c'est comme ça. Mais dans l'ensemble j'ai vraiment vraiment adoré, c'était une très très bonne lecture que j'ai vraiment beaucoup aimé faire, qui m'a beaucoup divertie. Et de toute façon les trucs de fantômes, moi c'est vraiment tout ce que j'aime, donc si vous aimez les histoires de fantômes je vous le conseille vraiment. Par contre je me dois de dire que les éditions du Chat Noir ont laissé passer quelques petites fautes de frappe, enfin pas vraiment fautes de frappe, mais quelques fautes de typographie dans ce livre. Il manque souvent des virgules ou des points au milieu de phrases, donc c'est assez... Enfin, moi ça m'a pas vraiment embêté, genre ça m'a pas fait sortir de la lecture, mais je sais que ça peut énerver pas mal de personnes, donc je me dois de vous le dire. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé aussi la traduction très très bonne, et puis voilà, je l'ai bien bien aimé. J'avais toujours envie de retourner le lire, c'était vraiment une très 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 bonne lecture. Donc je n'ai pas grand chose à vous dire, si ce n'est que je vous le conseille fortement si vous aimez les histoires de fantômes, et que je lirai certainement plus de livres de l'auteur. Puisque déjà ce livre-là, il réunissait énormément d'éléments que j'adore, donc j'ai hâte d'en découvrir plus. C'est pas exclu que je le relise, parce qu'il m'a vraiment fait passer un très très bon moment, et que j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Et voilà, c'est tout pour mes lectures de ce mois-ci, j'espère que la vidéo vous aura plu, et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!